En ce matin gris, la ville de Lausanne est en deuil face à la tragique découverte d'une jeune femme noyée dans le Léman. Les autorités cantonales n'ont pas voulu faire de déclaration quant à l'avancée de l'enquête, mais confirment qu'il s'agit bien d'un meurtre. Les parents de la victime réclament un coupable et ne comprennent toujours pas ce qui a pu motiver un tel acte. T'étais où hier? J'étais ici. Là, t'as pas l'impression d'être un peu en retard? La prochaine fois que ça arrive, tu m'envoies un message, sinon c'est la dernière fois que tu viens ici. Ok. Tu prends le petit bassin aujourd'hui. Attention là, tu peux pas juste, quand tu sautes dans l'eau, tu peux pas juste sauter dans l'eau, comme ça. Tranquille, stresse pas. On dirait que t'avais un fantôme, qu'est-ce qui se passe? Bonne soirée, hein? Ouais. Bonne soirée. Oui, oui. Salut Viola. Ça sert à rien de venir aujourd'hui. Oui, bon, la piscine va être fermée en quelques temps. Il y a une enquête policière. Quoi? Le concierge a retrouvé le corps de Jenny ce matin dans le petit bassin. Ouais. Je te rappellerai ces prochains jours. Salut. Thank you.
Viola, t'étais où là? Viola, ça fait 3 jours que je t'appelle. Viola, je te jure, je t'ai dit que c'était la dernière fois. L'enquête continue, mais le meurtrier court toujours. D'ailleurs, 2 victimes s'ajoutent aux précédentes retrouvées noyées. Si vous avez quelques informations...